Bien, bonsoir à tous. Merci de votre présence. Et je vais procéder à l'appel. Joël Girardet, Pascal Vignon, Colette Darfin, Céline Michalon, Michel Mandel, Denis Romontet, Virginie Pirou, Bernard Payon, Jacqueline Berthier, Alain Cotin, Pascal Guillet, Alexandre Proton, Elisabeth Planial, Mireille Delalande, Jean Démurger, Gabriel Desailles, présent. Jean-Luc François, présent. Nicole Colucci, présent. Angelo Romano, présent. Christelle Fabre, Magali Cherpin, Aurélie Chusville, Alexandre Boudot est excusé, Édouard Bost, présent. Bénédicte Chirol, Anne Rimbaud est excusé, Mohamed Adjab est excusé, et Ludovic Chartre. Merci à tous. Il faut que je désigne un secrétaire de séance, comme à l'accoutumée. Je vois M. Boss qui se cache, je le désigne secrétaire de séance. Je le remercie. Vous avez tous reçu, si tout va bien, le procès-verbal de la séance du jeudi 8 avril 2021. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce compte-rendu? S'il n'y en a pas, on va bien voir la date. Oui. Moi, j'avais souhaité qu'éventuellement ce monsieur, quand il sera recruté, qu'il vienne nous faire un petit point de ce qu'il a vu et son action, et ce qu'il pense. Tout à fait. C'est prévu, et donc ce sera une dame, puisqu'elle vient d'être recrutée là, cette semaine, donc par l'accord, les trois communes qui sont concernées, Cours, Petit et Cuisy-les-Bourgs. Donc, il serait bien en effet qu'elle va déjà se présenter, que vous puissiez la connaître, et puis qu'on définisse aussi avec elle la méthode de travail sur l'ensemble du programme. Donc elle sera mise à disposition de la commune de Cuisy-les-Bourgs, environ le tiers de son temps, puisqu'elle sera répartie sur les trois communes qui sont revenues dans le programme. Donc, elle est en cours de recrutement, donc je proposerai qu'elle vienne peut-être soit pour une séance du conseil municipal, soit pour une séance particulière sur ce sujet-là, sans problème. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? S'il n'y en a pas, je vois du coup le procès verbal de la séance du 8 avril, qui est d'avis de l'adopter. Je vous remercie. Alors, nous allons aborder ce soir des questions financières, puisque nous allons étudier quatre rapports qui sont des demandes de subventions. Trois concernent les associations de la commune, et les autres subventions, c'est celles qu'on verse de façon récurrente aux habitants pour la rénovation du parc privé de logement. Le premier sujet, qui n'est pas des moindres, c'est l'association d'aide à domicile, que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez. C'est une association qui est relativement ancienne sur la commune, parce qu'elle intervient pour les habitants depuis maintenant très longtemps. C'est une association qui connaît actuellement certaines difficultés qui sont à la fois financières, mais qui sont aussi causées par des problèmes d'organisation au niveau interne. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à me couper. Je serai évidemment prêt à y répondre. La première cause des problèmes de l'association, c'est d'abord le baisse du nombre d'heures réalisées pour les bénéficiaires. Et donc, pour parler un peu plus comptabilité du baisse de son chiffre d'affaires, qui sont causés par plusieurs sujets. Le premier, c'est peut-être que l'association a eu un petit manque d'adaptabilité aussi à la demande des bénéficiaires, puisqu'aujourd'hui, le sujet de la dépendance est un sujet très important, notamment pour nos territoires ruraux, puisque vous savez, le vieillissement de la population est réel. Donc l'association a pu avoir du mal à s'adapter à la demande des bénéficiaires. Ça peut être s'adapter sur les jours d'intervention, sur les prestations qui sont réalisées, ce qui fait que on a un certain nombre de personnes qui sont allées voir d'autres structures qui étaient plus adaptées à leur demande. Ça, c'est le premier sujet. Le second sujet, c'est que du coup, le chiffre d'affaires étant en baisse, les charges de structure de l'association sont restées au même niveau. Et que du coup, depuis plusieurs exercices budgétaires, l'association finit dans le rouge. Ce qu'elle a pu, entre guillemets, éponger avec les différentes réserves qu'elle avait pu accumuler sur les premières décennies de son existence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les réserves s'annuisent et qu'il est peu probable que l'association pourra rester
telle qu'elle est aujourd'hui, avec le peu de réserve qu'elle a désormais en caisse. Du coup, on a rencontré avec Michel Mangère, qui s'est du coup investi sur ce sujet-là depuis plusieurs mois, on a rencontré donc, les dirigeants de cette association, déjà pour qu'ils nous expliquent où ils en sont, qui nous disent un petit peu quelles sont aussi les pistes de réflexion qui peuvent être menées. On les a d'ailleurs accompagnés hein, pour mener ces réflexions-là. Donc deux options étaient sur la table. La première, c'est que l'association s'arrête, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, notamment en termes d'emploi, même si on est sur un secteur qui est plutôt en tension, où on trouve du travail quand on est dans ce type de structure. Voilà, ça veut dire qu'on se privait de cet opérateur sur notre commune. Et la seconde option, c'était de réfléchir avec eux sur une réorganisation à la fois interne de gouvernance de l'association pour qu'elle puisse repartir sur des bases un peu nouvelles, à la fois en termes de prestations qui peuvent être proposées aux habitants, mais aussi sur l'organisation des ressources humaines et sur voilà, une refonte un peu globale de la façon de fonctionner de cette association. L'idée, c'est pas de jeter la pierre sur qui que ce soit, puisque je vous rappelle que c'est une association qui est gérée plutôt par des bénévoles qui se sont investis et qui ont passé du temps pour la gérer. Sauf que voilà, je pense qu'on arrive à un point où ce type de structure doit mieux se professionnaliser pour répondre de façon plus satisfaisante à la demande. Et c'est un peu l'option qui a été envisagée avec eux. La première conséquence de cette réorganisation, c'est la rupture des deux contrats de travail des deux personnes administratives. Puisque ces deux personnes qui sont en fin de carrière, pour l'une d'entre elles, elle connaît des problèmes de santé qui lui permettra plus d'exercer ses missions de façon non satisfaisante, d'abord pour elle, mais aussi du coup pour l'association en elle-même. Et la seconde personne qui fait partie de l'équipe d'encadrement est une personne qui ne souhaite pas poursuivre son activité auprès de l'association. Donc du coup, les deux personnes sont prêtes, sont d'accord pour que soit mis fin à leur contrat de travail, soit par une procédure de licenciement, soit par une procédure de rupture conventionnelle. Ce sera encore des choses que les dirigeants vont négocier avec elles. Ce sera aussi l'occasion de définir les indemnités qui leur seront dues, et forcément, il se peut qu'elles s'orientent, elles, vers ce qui est plus avantageux pour elles, ce qui peut paraître légitime. Du coup, la rupture de ces deux contrats de travail là, entraîne des dépenses qui n'étaient évidemment pas prévues. Selon les calculs, ce sont des dépenses qui peuvent aller de 70 000 à 90 000 euros en fonction de la situation a posteriori des deux salariés, puisque il se peut qu'il y en ait une qui puisse prétendre à la retraite, et ce qui fait que le calcul de son indemnité n'est pas le même si elle est à la retraite ou si elle est mise au chômage pour arriver à terminer ses cotisations pour ensuite prétendre à la retraite. Donc c'est des choses qui sont en train d'être affinées. L'association est accompagnée par un avocat en droit social pour faire tous ces calculs, mais aussi pour être accompagnée pour que les procédures soient faites de la meilleure façon qui soit, à la fois dans l'intérêt de l'association, mais aussi dans l'intérêt des salariés, parce qu'il ne faut pas non plus les oublier, ceux qui restent et ceux qui s'en vont. Donc c'est pourquoi j'ai reçu officiellement assez récemment, même si on discutait avec eux depuis plusieurs mois, une demande un peu plus officielle de participation financière de la commune. Au départ, l'association aurait souhaité qu'on lui verse un prêt ou une avance remboursable afin qu'elle puisse pallier ses différentes dépenses. Sauf que ce sont des procédures qu'on ne peut pas mettre en place auprès d'une association loi 1901, puisque c'est une association qui est régie par la loi 1901 et une association à but non lucratif. Ce qui fait que la proposition que je vous fais ce soir, donc on était sollicité autour de 20 000 euros pour un prêt, c'est qu'on puisse transformer cette aide financière en subvention, on va dire, classique, et que l'association s'engage à renoncer aux demandes de subvention annuelle qu'elle faisait auprès de la commune, qui était de l'ordre de 4 000 euros par an, ce qui fait qu'en 5 ans, la commune aura retrouvé, entre guillemets, en gros, c'est une opération blanche pour la commune, si on regarde sur un terme un peu plus long, que la simple année 2021. Pour être complètement transparent, les 20 000 euros que, si vous en êtes d'accord, qu'on attribuerait ne suffiront pas à faire face aux différentes dépenses que je viens d'évoquer. C'est pourquoi le Centre communal d'action sociale sera également
sollicité un temps de 20 000 euros pour une dimension franche cette fois-ci. En plus, c'est plutôt le cœur métier du CCAS, hein, puisqu'on est clairement dans l'action sociale et l'accompagnement de la dépendance. Et sachant que l'association a également encore des réserves, hein, si elles se sont annuisées avec les différents exercices budgétaires qui sont de l'ordre de 31 000 euros sur des comptes de placement. Et ce qui fait que l'association pourra à la fois couvrir les frais qui sont liés aux ruptures des contrats de travail, mais aussi pouvoir envisager un petit programme qui n'est pas très ambitieux, mais qui est important d'investissement, notamment pour être un peu plus au bout du jour et notamment s'équiper en informatique et en échelle de gestion, puisqu'aujourd'hui, sans que ce soit une critique, l'association est gérée de la même façon que depuis 20 ans, avec par exemple des plannings qui sont faits à la main. Enfin, aujourd'hui, on a quand même de nombreux outils qui permettent d'optimiser aussi le fonctionnement, et notamment le fonctionnement administratif, puisque l'objet c'est de réduire de 40% les charges administratives de l'association, qui sont de l'ordre de 63 000 euros sur l'exercice 2020, et donc de faire des économies de l'ordre de 25 à 30 000 euros par an, ce qui permettra à l'association de finir avec des comptes excédentaires. Même si le dernier exercice sur 2020 a été moins catastrophique que les précédents, puisque l'association termine avec un résultat positif de 1900 milliers d'euros, mais qui sont dus aussi à des recettes non prévues dans le cadre du Covid notamment, le forfait Covid versé par le département et d'autres aides notamment de l'État qui sont liées aussi aux dépenses qu'a eues l'association, notamment en matériel de protection tout au long de l'année 2020, ce qui fait qu'on ne peut pas considérer que cet exercice-là soit une année de référence. Voilà. En tout cas, 2020 est moins déficitaire que d'habitude, et sur 2019, on était sur un déficit de l'ordre de 11 000 euros. Donc voilà, on sent bien que ça ne pourra pas continuer comme ça, puisque 11 000 euros par an, dans deux ans et demi, ça ne tape plus de fonds, et donc ça ne pourra pas continuer comme ça aussi longtemps. Voilà, j'ai essayé d'être à la fois concis mais précis. Je suppose peut-être qu'il y a des questions auxquelles je répondrai évidemment. Ceci dit, on ne fait pas un chèque en blanc sans condition en face, puisque les deux conditions qu'on dépose, c'est déjà que les fonds seront versés au moment où l'association aura réellement lancé les procédures pour lesquelles on l'accompagne, ce qui me paraît être le minimum. Ça veut dire que si, pour une raison ou une autre, l'option envisagée est modifiée, alors on ne versera évidemment pas cet argent-là. Et la seconde condition que nous avons posée, c'est aussi que la commune puisse avoir une place un peu plus importante dans la gouvernance de l'association, puisqu'il me paraît assez légitime que si la commune va investir de l'argent, même si c'est un prêt, puisque le CCAS est aussi partie de la commune, qu'on puisse avoir un petit peu notre mot à dire sur la façon dont l'association va être gérée par la suite. Et notamment, on proposera une modification des statuts de l'association afin que la commune puisse désigner au sein du conseil municipal trois personnes qui auront en quelque sorte un droit de veto sur l'ensemble des décisions qui seront prises par la suite au sein du bureau de l'association. Et sachant aussi que dans les statuts, il est prévu aussi qu'une personne soit recrutée de façon bénévole pour accompagner l'association sur le plan financier, puisque c'est M. Darfin qui l'accompagnait jusqu'à maintenant de façon bénévole et qui souhaite ne plus continuer cette mission bénévole qui lui prend du temps. Donc voilà, pour que les choses soient continuées de bien gérer sur le plan financier. Et puis voilà, je crois que je n'ai pas oublié beaucoup de choses. Et en sachant qu'on a aussi demandé à l'association de procéder au renouvellement de son bureau, puisqu'aujourd'hui, si on prend ce nouveau départ, il faut qu'il puisse être assumé aussi par une nouvelle équipe qui soit légitime. D'ailleurs, les conseillers municipaux qu'on désignera les trois feront partie de cette nouvelle équipe pour qu'on puisse partir sur de nouvelles bases de façon complète, à la fois sur les salariés, mais aussi sur l'équipe qui dirigera cette association, le président, le trésorier, le secrétaire, etc. Voilà un petit peu pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, quel rapport avec Élie? Pardon? Quel rapport avec Élie? Vous mettez Élie dans le... Ah, c'était pour retracer un petit peu l'historique des dernières années, parce que en 2019, l'association avait tenté un rapprochement avec Élite Assistance pour justement essayer de mutualiser certains coûts de fonctionnement et notamment les coûts de gestion. Donc c'est une opération qui n'a pas été bénéfique puisque les deux entités ont décidé de se séparer. Elles n'étaient d'ailleurs pas fusionnées, mais elles avaient décidé de mutualiser certains moyens. Et du coup, c'est aussi pour retracer un petit peu l'historique, et cette collaboration a pris fin
dans le courant de l'année 2020. C'était pour avoir que des données historiques. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions, des questions. Donc l'idée, c'est quand même qu'on puisse suivre ça de très près, qu'on n'injecte pas de l'argent public à des fins, en tout cas, qui auraient d'autres fins que celles que l'on souhaite, et que celles que je viens de vous annoncer. Donc c'est-à-dire qu'il faudra quand même qu'on surveille ça de près. D'ailleurs, si d'ores et déjà parmi vous, certains souhaitent faire partie des trois, comment on les appelle, censeurs qui seront intégrés à la gouvernance de l'association, ben, faites-le moi savoir, et puis après, je dirai quel choix nous ferons. Et je proposerai également au groupe minoritaire de faire partie de ces trois pour que l'ensemble des composantes du conseil municipal soient représentées au sein de la gouvernance de l'association, si l'un d'entre vous quatre le souhaite en tout cas. Voilà. Colette, tu veux intervenir ? Non, je rajouterais simplement que le département s'était rapproché de l'association en 2017 pour déjà faire un peu l'état des lieux parce qu'on les sentait déjà en difficulté. Et à l'époque, le département lançait ce qu'il appelait le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, le CEPOM, vous avez peut-être entendu parler. Et bon, dans ce contrat, il fallait, enfin, c'est un partenariat, un contrat qui signait avec l'association. Et l'association n'avait pas voulu signer parce que dans les conditions de ce contrat, il y avait plus ou moins de travailler sur un rapprochement avec d'autres compte tenu des difficultés qu'il y avait. Le choix de l'association, Cathy Martin, il y a des choix faits, on n'est pas là pour le commenter. Ils n'avaient pas choisi de partir vers d'autres rapprochements et rester seul. Donc ce qui a fait que le département n'a pas accompagné l'association dans son éventuel. Requalification, je dirais. C'était un accompagnement aussi pour former le personnel, c'était un accompagnement pour les amener vers une autre façon de travailler. Les CEPOM, on en a signé avec plein d'associations sur le département, et un accompagnement financier aussi. Bon, les choix faits à l'époque, on les respecte, hein. Ils ont voulu continuer tout seul. Bon, c'est peut-être pour ça qu'on retrouve en 2019 une tentative avec Elite. Peut-être que ça peut être aussi un but pour eux. Enfin voilà, donc on ne les a pas non plus laissés tomber. Dans le cadre du Covid, en 2020, on leur a versé presque 12 000 euros d'aide Covid. C'était un prorata sur les nombres d'heures effectuées auprès des personnes âgées par rapport aux équivalents temps plein. C'est pas un calcul fait par hasard, mais bon, on leur a mis 12 000 euros. Ça veut dire que dans le résultat qui a été annoncé, s'il n'y avait pas eu la subvention du département, ben, ils auraient un déficit d'au moins 9 000 euros, quoi. Même un peu plus. Voilà. Parce qu'il y a un forfait de l'État de 5 000 euros en plus. Voilà, il y avait l'État, oui, il y avait le département, il y avait plusieurs intervenants dans le cadre du Covid. Ouais. Non mais voilà, je voulais juste faire cette parenthèse. Il y a eu une malentendue à un moment donné, bon, ils n'ont pas fait le choix d'apprendre. Alors, dans les objectifs que tu mettais, Martin, du monde dans le bureau, enfin de changer de bureau, d'avoir des représentants, peut-être d'en mettre aussi des objectifs à atteindre, enfin je sais pas, hein, ça peut être aussi, je sais pas si c'est évoqué dans les conversations, mais parce qu'il y a du monde sur le marché, et pour qu'ils regagnent les parts qu'ils ont perdues, ça va peut-être être compliqué aussi. Hein. Mais bon, ça peut être une hypothèse. Alors, la main tendue du département existe toujours. C'était des contrats qui se signaient. Donc, tous ceux qui ont signé un contrat en 2018, il va se terminer fin 2021. Et il y aura possibilité, je pense, de renouveler ce contrat pour 3 ou 4 ans. Bon, après, quelles sont les conditions du nouveau CEPOM 2022? J'en sais rien aujourd'hui, hein, parce que, bon, vous savez comme moi qu'il y a des changements, que le contrat peut évoluer aussi. Alors, il n'y aura pas les mêmes conditions. À l'époque, c'était les conditions de se rapprocher, de se regrouper, de grossir pour mutualiser, comme disait Martin. Bon, dans le prochain contrat, il y aura peut-être d'autres conditions qui leur permettront d'en signer un, je ne sais pas. Hein. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'ils regardent quand même les choses, selon les conditions qui sont données, est-ce qu'ils voudront les avoir ou pas. Mais c'est pas... Voilà. Actuellement, les deux qui sont à la tête vont partir. Il y a qui derrière qui va évoluer, qui va... L'idée, là, c'est qu'on a deux personnes qui sont là actuellement, qui ne représente pas d'ailleurs deux temps plein, on est plutôt sur un 1,7 ETP sur les deux personnes. L'idée c'est de passer sur un temps plein,
Et donc recruter soit une nouvelle personne, soit deux mi-temps d'ailleurs, pour que ça puisse être un peu plus souple, notamment sur la gestion des congés, hein, par exemple. Mais du coup, de recruter à la fois des profils qui permettent de bien gérer les choses sur le plan comptabilité et gestion de l'association, mais aussi avec un profil un peu social pour aller faire un travail qui a peut-être été pas assez bien fait depuis maintenant plusieurs années, de mieux communiquer sur ce que fait l'association, sur les prestations qu'elle peut proposer. Donc l'idée, c'est de passer en fait à 1,7, à 1,8 ETP à 1, donc réduire ses charges de fonctionnement, compenser aussi avec des moyens plus modernes en termes d'outils informatiques, mais il n'y a pas forcément besoin d'une personne ou de deux mi-temps, entre guillemets, ou d'un équivalent temps plein sur la gestion de l'association. Et après, ce que vient de dire Colette sur les différents échanges qu'il y a eu entre le département et l'association, ça veut dire aussi que le département avait déjà repéré à l'époque des petits soucis de gestion au sein de l'association. D'ailleurs, on peut d'ailleurs se dire que nous sommes un peu responsables, nous aussi, puisque le conseil municipal est représenté dans cette association depuis toujours, et que peut-être que la secrétaire aurait pu être créée depuis plus longtemps, mais bon, l'idée, c'est quand même pas de revenir sur le passé, mais c'est de faire en sorte d'avancer. Sur ce que propose Colette, je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir des objectifs à la fois quantitatifs et qualitatifs sur ce qu'on peut demander. D'ailleurs, on peut s'appuyer sur le dispositif CEPOM, qui est aussi un contrat dans lequel on met des moyens. Ce sont des contrats qui sont très récents, en fait, hein, qui ont été créés dans la loi de l'adaptation au vieillissement. Donc les premiers, c'était 2017, qui terminent en 2022, mais qui répondent aussi au programme régional de santé, puisque c'est aussi piloté par l'ARS avec les départements. Et ça risque forcément aussi de bouger. Il y a une loi aussi qui va arriver, qui a été retardée à cause de toute la situation sanitaire. Il y a aussi une loi sur le vieillissement qui devrait revenir au Parlement, où ces sujets-là vont être abordés. Mais c'est vrai que on pourrait utiliser aussi ce qu'il y a dans le CEPOM pour mettre en place un espèce de contrat d'objectif avec l'association, avec une partie aussi d'évaluation, ce que je trouve normal. Dans la loi dont tu parles, c'est envisagé de revaloriser ce métier en remontant le taux horaire des personnes qui travaillent de 2 à 3 euros. Aujourd'hui, la question, c'est de savoir qui prendra en charge ces 2 ou 3 euros supplémentaires. Est-ce que ce sera l'État, est-ce que ce sera le département, est-ce que ce sera l'association pure et dure, d'où l'usager, qui paiera plus cher. Voilà, il y a encore des inconnus, mais le prochain contrat CEPOM qui va se rédiger pour 2022 tiendra un petit peu compte de tout ça. C'était un peu l'idée en 2017, en faisant sur CEPOM, d'amener les associations à repenser un petit peu le métier, en les formant, en leur amenant plus de moyens, un téléphone déjà professionnel, enfin des choses comme ça. C'était déjà d'aller vers ça. Et la nouvelle loi qui est en train de mûrir continue à accentuer cette requalification, cette revalorisation de ce métier, parce qu'aujourd'hui, elles ont du mal à trouver, et les personnes restent pas très longtemps, enfin, c'est compliqué. Et, voilà, alors je ne sais pas, oui, alors, c'est des objectifs. Aujourd'hui, il y a de la concurrence, elles ont quand même perdu beaucoup d'heures. Il va falloir qu'elles retournent à la fois les comptables et gestionnaires, pour qu'elles soient aussi un petit peu commerciales, pour aller chercher des parts de marché. Mais bon, on a quand même une population vieillissante, on peut avoir un côté positif de l'association en se disant qu'elles retrouveront forcément des heures parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Quoi. Ben écoutez, merci à tous. Après, l'idée, hein, c'est qu'on ne ferme pas non plus la porte à ce qui se passe autour de nous. Je pense que l'association est aujourd'hui à Dixibourg, qu'il faut absolument la garder parce qu'elle est sur notre commune. Hein. Il y a aussi d'autres opérateurs sur d'autres communes qui interviennent dans ces secteurs-là. On a d'ailleurs rencontré à peu près à la même période avec Michel Bangère, l'association qui nous entoure, entre guillemets, hein, qui couvre sur le périmètre de Cour et d'Ampleuil, qui connaissent globalement les mêmes difficultés que la nôtre. Hein. Et ce que Colette vient de dire, c'est assez important, c'est qu'aujourd'hui, le tarif horaire ne correspond pas au coût réel de la prestation. Et ce qui pose des problèmes à tout un tas d'autres opérateurs, d'où aussi les idées de mutualisation et de fusion dans certains territoires. Mais voilà, il ne faut pas qu'on reste non plus recroquevillé sur nous-mêmes et qu'on regarde ce qui se passe autour. Oui. Donc voilà, il y a un vrai travail sur le plan commercial à faire par l'association. Quand on parle de part de marché, c'est complètement ça. Hein. Mais ça veut dire qu'il faut aussi réfléchir sur le projet social de l'association et quelles prestations on peut proposer aussi aux habitants. Donc si vous voulez bien, on les accompagnera aussi dans ce travail-là. Et ça pourrait d'ailleurs préfigurer une éventuelle réponse au futur CEPOM du département qui en fera appel à un projet sur 2022, je pense.
Donc voilà, ça veut dire qu'en 2022, l'association aura repris un petit peu un fonctionnement, on va dire, plus sain, plus serein, mais à la fois sur les finances, mais aussi sur son projet social, qu'il faut que, qu'elle porte et qu'on puisse porter avec elle. Oui, bien sûr. Donc moi, j'en ai fait partie de cette association, j'en fais encore partie, et ce qui me gêne un petit peu, c'est que ça fait 6 ans qu'avec M. Gérard Darfin, on dit que c'est délicat et qu'il fallait prendre une solution. Ils ont perdu ses codes et le gros handicap, c'est que le coût aurait été plus cher que les autres associations, il faut aussi le signaler. Et il faut rentrer dans les taquets d'une mutualisation quand même, d'être au même prix que tout le monde et puis apporter le même service que tout le monde. C'est un peu ce que je pouvais dire. On sent un petit peu... Mais je crois qu'on est d'accord. Le CCAS se réunira le 28 juin, si je ne me trompe pas, enfin, avant la fin du mois. Les convocations ont été signées. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, sachant que, évidemment, ils disent qu'on puisse nous tenir informés assez rapidement de ce qui se passe concrètement au sein de l'association et sur un terme plus long d'évaluation et de rendu compte auprès des élus, ce que je trouve normal. Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, je mets aux voix cette subvention qui est conditionnée au fait, je rappelle, hein, du lancement officiel des procédures que je viens de vous présenter, et puis bah, de tout ce que l'association s'est engagée à mettre en place. Et on a d'ailleurs un conseil d'administration jeudi pour lancer les procédures de rupture de fin de contrat. Et il y aura une assemblée générale d'ici début juillet bah, pour le renouvellement du bureau et pour le lancement, on va dire, officiel de ce virage qu'on souhaite lui voir prendre. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais devoir voir cette subvention qui est pour, qui s'abstient, une abstention. Je vous remercie beaucoup. Michel, vous voulez parler ? Merci. On va passer au point suivant, si je retrouve mon ordre du jour. Le voici. Une subvention toujours exceptionnelle pour une association, on est sur un registre différent, mais pas totalement en fait, il s'agit aussi de la santé de nos concitoyens. J'ai été sollicité par l'amicale des sapeurs-pompiers, donc du casernement de Tizy-les-Bourgs, pour une subvention exceptionnelle qui est liée notamment à des importants travaux qui ont été financés par l'amicale très récemment à la caserne, et notamment des travaux qui visent à créer des espaces un peu plus conviviaux au sein de cette caserne pour que les pompiers puissent s'y sentir bien. D'ailleurs, depuis que les travaux ont été réalisés, bah, on voit que notamment les jeunes pompiers passent un peu plus de temps à la caserne. Et l'idée, c'est aussi de rendre la caserne plus attractive pour toujours retrouver de nouvelles recrues. Ce qui sera bien, c'est que si jamais vous êtes d'accord qu'on puisse verser cette subvention, c'est qu'on puisse aller bah, se rendre compte des travaux qui ont été réalisés. Moi, j'y suis passé la semaine dernière, c'est plutôt sympathique. Donc les dépenses totales, même si on n'a pas les chiffres définitifs, mais sont au minimum de 40 000 euros de travaux qui ont été engagés par l'association, ce qui représente quand même un effort important de leur part sur un terrain qui appartient à la commune. Et l'idée, c'est qu'on puisse rappeler une subvention de 10%, c'est-à-dire à hauteur de 4 000 euros, ce qui vient aussi corriger en même temps une certaine injustice, puisqu'il y a eu une petite erreur l'année dernière, au moment où... C'est de la faute d'ailleurs au moment où on a fait les arbitrages des subventions, où on a baissé de 50% la subvention aux pompiers, alors qu'on aurait pu légitimement la conserver. C'est une erreur plutôt technique que politique, si je peux m'exprimer ainsi. Et du coup, bah, ça montre aussi que la commune soutient les sapeurs-pompiers, ce qu'elle fait depuis toujours. Ça va quand même corriger cette petite erreur technique qu'on a pu faire l'année dernière. Est-ce que tout cela vous convient ? Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a pas de question, je vais devoir cette subvention exceptionnelle de 4 000 euros qui est pour, qui s'abstient, ce chacun ne prend pas part au vote puisqu'il a des fonctions, ou il a eu des fonctions au sein de cette association, afin qu'il ne soit pas embêté par un problème de conflit d'intérêts. Merci pour eux. La troisième subvention exceptionnelle que je propose ce soir, donc nous faisons une soirée dépense, pour une association que tout le monde connaît bien, c'est l'unité des fêtes
de Marbeur qui envisage maintenant de façon quasiment certaine donc, de reprendre l'organisation de la marche qui a lieu fin août, de la marche de la foire, pardon, qui a lieu fin août, et également une semaine avant un événement notamment co-animé aussi par les jeunes de la commune sur un événement musical et festif qui s'appelle Tintin Marbeur, que certains connaissent puisque c'est pas la première fois qu'ils l'organisent. Et donc l'association nous sollicite à hauteur de 1500 euros pour la foire et de 300 euros pour l'autre événement musical, sachant que c'est, ça correspond aux sommes qu'on attribuait auparavant au comité des fêtes de Marbeur dans des années, on va dire, en guillemets normales, puisque l'année dernière nous avons diminué la subvention au comité des fêtes de Marbeur de 50% comme la plupart, que nous n'avons pas été sollicités en 2020 sur la foire, puisque elle n'a pas eu lieu. Et qu'évidemment la subvention que je vous propose de voter ce soir sera versée si les événements ont réellement lieu, et on l'espère pour eux, mais si jamais il n'y a pas de problème lié aux contraintes sanitaires d'ici là. Et sachant que sur la subvention annuelle que nous avons votée lors d'une séance précédente, le comité des fêtes de Marbeur nous avait sollicité dans une moindre mesure que les années précédentes, parce que je crois que c'est 1250 euros de mémoire qui a été attribué cette année, alors que dans une année normale, c'est un petit peu plus, mais là, comme ils avaient assez peu de visibilité sur leurs manifestations, ils avaient été raisonnables dans leur demande de subvention, d'ailleurs, on peut les remercier. Et là, le petit pouce qu'on pourrait leur donner pour la foire et le Tintin Marbeur sera un bon coup de main pour eux. Ce sont des événements que vous connaissez bien. Pas de questions sur ces deux dossiers qui sont des dossiers séparés, mais voilà, en gros, c'est une subvention totale de 1800 euros pour le comité des fêtes demain. Pas de questions. Je mets aux voix qui est pour. Eh bien, merci pour eux. Le rapport suivant concerne les aides à l'habitat. C'est des rapports que vous connaissez maintenant bien. Et nous en avons un peu plus que d'habitude puisque l'accord a délibéré deux fois depuis notre dernière séance. Vous avez les tableaux. Dans les documents qui nous ont été transmis. Donc sur l'opération revitalisation des centres-bourgs, nous avons quatre dossiers qui sont pour certains périmètres de développement. Je rappelle que c'est un périmètre, on parle du premier périmètre qui est celui de revitalisation, c'est là où on intervient plus fortement, puisque la commune verse une subvention identique à celle de l'accord, et sur le périmètre de développement qui correspond entre guillemets. Faire simple au périmètre plus rural, où là la commune intervient à hauteur de 50% de la subvention apportée par l'accord. Donc vous avez les dossiers sous les yeux, vous voyez que c'est des subventions qui sont intéressantes. Sur l'opération ravalement de façade, nous avons quatre dossiers également, avec le même système de périmètre que le précédent programme. On abordera le sujet façade dans une future séance. Puisque je proposerais qu'on regarde à faire en sorte que la commune soit un peu plus offensive sur les aides au ravalement de façade, puisque quand on regarde les aides qui sont apportées, même si elles ne sont pas négligeables, je pense qu'on pourrait faire plus pour être un peu plus incitatif auprès des habitants. Et donc on va travailler ce dispositif-là et on fera une proposition lors d'une prochaine séance. Et sur l'autre opération qui s'appelle Opération Massif Central, correspond à des publics qui ne sont pas éligibles aux aides de l'ANA. Vous avez cette fois-ci six dossiers sur la plupart des communes déléguées de la commune, et là encore avec des subventions assez intéressantes. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais mettre au voix ces subventions pour les trois dispositifs. Qui est pour? Eh bien, merci beaucoup. On en a terminé les cordes. Le bureau officiel, je crois qu'il y a certains adjoints qui ont des communications à faire avant qu'on passe aux questions diverses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence ? Oui. Donc, un point assez sommaire sur l'avancement des travaux dans les bâtiments communaux. Donc, le bâtiment rue Christoré, le bâtiment des associations. Le chantier a été installé la semaine dernière et donc cette semaine, la partie démolition a pu commencer. Pour le bâtiment Jean d'Arc, donc le maître d'œuvre présentera l'appel et l'avant-projet définitif
lundi au maire, et ensuite on pourra lancer la consultation des entreprises, donc qui se fera la deuxième quinzaine de juin. Donc pour les quatre premiers lots, c'est-à-dire des avantages, la démolition, la charpente couverture et la partie fenêtre, menuiserie extérieure, pour un début des travaux à la mi-septembre. Le dossier accessibilité, donc nous avons eu le retour de l'étude, donc qui représente pas mal de pages, donc on ne l'a pas encore étudié dans le détail, mais très vite on pourra vous donner des informations à la prochaine réunion de conseil. Pour le quartier d'Alter, donc Epora lance la consultation des entreprises pour le début des travaux fin septembre. Donc la consultation pour la partie démolition du côté gauche quand on descend. La partie droite sera sur les tranches plus tard. Là c'est uniquement la partie gauche, la partie qui a plus de toiture qui sera démolie et qui sera remis en forme avec un petit muret en verre-peur. Au niveau de l'esthétique de l'environnement, ce sera quand même déjà une première étape importante. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Donc, tout simplement, vous allez trouver dans votre pochette un flyer concernant la résidence. Donc, les portes ouvertes vendredi 25 l'après-midi. Donc, faites-le savoir un petit peu autour de vous. Ce qui sera bien, c'est que la grande salle polyvalente est terminée maintenant. Et je pense que comme ça, les gens pourront voir un petit peu, auront une meilleure vision de l'ensemble. Sinon, de nouveau, on aura des chantiers jeunes cet été. Nous allons faire une réunion d'information ce vendredi. Nous avons 19 candidatures. Il y a 8 jeunes qui iront en voirie, 4 dans les écoles, 2 à la crèche du centre social et 5 au centre de loisirs pour aider à la restauration. Merci beaucoup. Il y a des questions sur les sujets abordés par Michel Jonger. Juste pour votre information, on crée également un groupe de travail au sein du conseil municipal sur la résidence senior. Ce groupe de travail sera composé d'Emmanuel Delguier et des adjoints, mais également des membres élus du CCAS et aussi des membres élus qui ont participé aux différents travaux menés par Michel Jonger, notamment sur la question des personnes âgées. Donc voilà, nous recevons une invitation pour la première réunion de ce groupe de travail qui aura vocation à travailler sur le projet social de la résidence senior des publics qui sont accueillis, qui sont pour l'instant d'ailleurs pas accueillis et qu'on souhaiterait voir accueillir un peu plus. Donc c'est pareil, hein, le groupe prioritaire, votre représentant au CCS sera évidemment convié à ce groupe de travail qui se réunira le 23 juin à 18h. Alors, j'ai 3 dates à vous soumettre, que vous pourriez noter sur vos agendas. Le lundi 28 juin à 19h au cinéma Laura, on aura droit à une projection à l'avant-première du film La fine fleur de Catherine Faux. C'est un film qui a été tourné en Montagnie à la Roseraie d'Orieux. Et à l'issue du film, Marie-Françoise et Georges Jourdieu changeront avec le public sur le tournage et leur métier de créateur de rose. C'est un métier qui est fait de passion, qui se transmet de génération en génération. J'espère que vous êtes nombreux. J'espère que le 10 juin, c'est votre jour de la réunion nécessaire. Non. Bon, après le 5 juillet, de 10h à 17h, aura lieu le forum des associations à Bondotizy. Il se tiendra place du Génaire français. Et pour l'instant, nous avons 25 associations qui sont inscrites. J'espère que vous pourrez venir les soutenir. Tout le monde a besoin de procurer des liens à la suite de cette période heureuse. Après le 12 juillet à 18h, Mme Lafayette, vice-présidente de la culture à la cœur, nous fera découvrir en privé pour tous les membres du conseil municipal qui seront libres le site de l'économisé et surtout on pourra avoir droit à une explication d'un microfoot. Voilà. Donc le 28 juin, le 3 juillet et le 2 juillet, j'espère que vous pourrez vous libérer. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet abordé par Jean-Michel Arsbet? Donc, oui.
Monsieur Bullion a parlé d'éclairage photovoltaïque. Oui, l'éclairage. Donc, on a reçu cet après-midi la société Forage avec Sylvain. Donc on avait prévu 63 candélabres pour la première tranche avec un budget de 150 000 euros, subventionné à 80%. Mais ce qu'ils nous ont présenté cet après-midi, c'était un petit peu au-dessus. Donc on avait mis 63, ils étaient à 75, donc on dépassait largement le budget. Donc on a regardé un petit peu sur les différentes communes de Tizy-les-Bourgs où on pouvait ratiboiser un petit peu d'éclairage pour revenir au budget qui est initialement prévu. Donc ils vont revenir vers nous d'ici une dizaine de jours. Et après là, je leur présenterai le projet définitif qui correspondra donc au budget qu'on s'est fixé. Voilà, il n'y a rien de bien particulier, simplement qu'on dépasse un petit peu trop. Je reviendrai vers vous après quand on aura le projet définitif qui correspondra au budget. Voilà, il y a eu l'agréable surprise qui n'en était en fait pas vraiment une, d'une subvention de la région à hauteur de 29 000 euros, sachant qu'on a déjà une subvention de l'État de 30 000 euros et que tout ça sera complété aussi par des fonds européens à travers le programme Leader, ce qui fait qu'on atteindra un montant de subvention de l'ordre de 80% sur cette opération. Pour obtenir nos 80%. Merci beaucoup. Elisabeth, je crois que tu avais des choses à dire. Moi, je pars un petit peu plus loin dans le temps. C'est pour vous parler d'une conférence qui aura lieu à la médiathèque de Tizy le 14 octobre 2021, donc en partenariat avec le département du Rhône et une association de Tizy, l'association écologique. Et le thème de cette conférence qui s'adresse aux personnes de plus de 60 ou 65 ans, je ne sais pas quel âge on passe la barre, je me souviens plus de mémoire. Ça sera sur l'automne, donc qu'est-ce qu'il y a en automne? Le champignon, c'est pour ça qu'on a demandé à une association de participer. Il y aura logiquement une nutritionniste, certainement peut-être un cuistot pour expliquer des recettes, et ce sera sur réservation, mais je vous en dirai plus une autre fois quand tout le programme sera bien bouclé. Déjà pensé au 14 octobre, et il y a des affiches qui vont être faites par la bibliothèque. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres membres de l'exécutif qui souhaitent donner des informations? Non, en tout cas, merci à tous. Je me suis fait rappel lors de la directive générale que je ne vais pas parler des décisions que j'ai prises avec la délégation que vous m'avez confiée en début de mandat. Vous avez dans vos pochettes l'ensemble de ces décisions, avec notamment les baux que l'on renouvelle ou que l'on signe de nouveau, les modifications de marché, les différents devis que nous signons pour faire fonctionner les services. Vous avez les détails de toutes ces décisions dans vos pochettes. Petit point agenda, le prochain rendez-vous qui nous réunira tous, pour ceux qui sont là, c'est le 20 et 27 juin avec les élections départementales et régionales. Je veux remercier les maires délégués et vous tous de vous être mobilisés, puisque vous savez que nous avons deux scrutins le dimanche, ce qui fait que ça nous demande de mobiliser un peu plus de personnes qu'habituellement, tout en sachant qu'il faut aussi respecter les règles de distanciation sociale, ce qui fait qu'on investira des salles un peu plus grandes qu'habituellement sur l'ensemble des communes déléguées, pour que tout se passe de la meilleure façon qui soit, à la fois sur le plan sanitaire, mais aussi pour que tout se passe bien sur le déroulement du scrutin et qu'on n'ait pas de soucis, notamment le soir au moment des dépouillements. Voilà, en tout cas, merci à tous pour ceux qui se mobilisent. Et puis, nous ferons également une séance du conseil municipal, comme on le fait chaque année, première quinzaine de juillet. On essaiera de confirmer la date au plus tôt pour que vous puissiez vous organiser, mais c'est la séance, on va dire, traditionnelle chaque année, avant la période estivale. Je crois que je n'ai rien oublié d'autre cette fois-ci. Par contre, il y a peut-être des questions diverses, des interventions particulières. Non, bah écoutez, merci beaucoup de vous être déplacés ce soir pour ces subventions exceptionnelles. Et la liste d'émargement qui va circuler, n'oubliez pas de la signer avant de partir. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous.